Romains chapitre 3, verset 24, là, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, là, on parle de la rédemption, on ne peut pas parler de justification pour parler de la rédemption. On ne peut pas parler de la justification pour parler de la rédemption. Donc, Jésus-Christ lui-même, c'est notre rédempteur. On a toujours dit Christ, c'est notre rédempteur. Donc, acte de la rédemption. Rédemption, on parlait aussi de rachat. Le fait de acheter à nouveau. Donc, ça veut dire qui ça? Nous t'es perdu sur le marché du péché. Donc, si nous t'as retourné en Éden, donc l'homme définit désobéi, bon Dieu, l'homme viré dos, bail, bon Dieu. Et nous rappelons-nous que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, lui a cherché l'homme dans le jardin. L'après, l'homme l'a dit, l'homme kotoye. Et l'homme dit, l'ouel toutouni, lui courit l'al caché. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15, promesse là t'est faite, un texte que nous connaissons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crassera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'était le plan de la rédemption, promesse de la rédemption que bon Dieu lui-même lui t'est fait. Et l'homme fin péché, l'homme fait des habits mettez sous lit pour montrer que habit que l'homme te fait mettre sous lit, t'as voulu dire que l'homme a essayé justifier tête lit par lui-même. Et qui ça Dieu fait? Dieu retire habit que l'homme te fait pour le faire habit pas le mettre sous l'homme. Donc ça c'est image, c'était promesse, rédemption. Donc nous t'es perdu, péché t'es acheté, nous cache. J'ai la parole de Dieu dit, et liban nous qui ça? Liban nous l'en mort. Péché t'acheter nous cache, liban nous l'en mort. Maintenant, bon Dieu, nan amour, parce que pas oublier que bon Dieu créé l'homme à son image, il créé l'homme à sa ressemblance. Donc bon Dieu fait le plan de la rédemption. Bon Dieu fait le plan pour venir justifier l'homme. Et pas de gagner personne qui t'est capable de satisfaire la justice de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de venir satisfaire justice, bon Dieu. Donc, bon Dieu fait plein de rédemption. Mot rédemption, gagner trois mots que souvent utilisés pour parler de rédemption. Trois mots grecs. Premier mot grec là, c'est agorazo. Deuxième, là, c'est hexagorazo. Troisième, là, c'est loutro. Ils ont souvent utilisé trois mots grecs pour parler de la rédemption. Agorazo fait penser à qui ça? Agorazo fait penser le fait d'aller sur le marché et puis où joindre, on dit par exemple, où joindre yon cabrit, yon bête sous marché et puis où acheter. Ok? Agorazo. Et dans le mot agorazo, nous joignons le mot agora. Le mot agora, dans la Grèce antique, c'était un lieu public, une place publique. C'était aussi place du marché. C'était la place du marché, agora, en Grèce. Donc, là, on parlait de agorazo, là où est que le fait que un monde allait sur le marché et, par exemple, un cabrit, li joignait un cabrit, li achetait cabrit là. Ça, c'est sens le mot agorazo, lui-même lui gagne. Et deuxième mot grec qui aide à comprendre le mot rédemption, c'est le mot hexagorazo. Le mot hexagorazo, dans le mot hexagorazo, nous avons le préfixe ex, qui veut dire hors de. Le préfixe ex. Ça veut dire agorazo, m'aller sous marché à m'acheter cabrit là. Hexagorazo. L'homme finit acheter cabrit là sur le marché, pas quitter le sous-marché, mais retirer le sous-marché. Et le mot loutre lui-même fait penser à qui ça? Le fait que je finis acheter cabrit là, je retire le sous-marché,
Le m'rive la kay mwen, m'di m'pap tuye kabrit sa, ni m'pap kite le mari nan kod, mwen la gel. Mwen libere l. C'est ça le sens du mot l'outro. Rendre, le fait de rendre libre. Ça t'a fait dire qui ça? Nous-mêmes, en tant que l'homme qui t'est fin perdu, nous t'es vendu sur le marché du péché. Bon Dieu bénis nous. Nous t'es vendu sur le marché du péché. Maintenant, Jésus-Christ qui ça le fait? Il quitte gloire dans le ciel. Tout à l'heure, c'est un chanteur cantique qui dit, il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu. Déposant pour moi sa couronne. C'est des paroles extraordinaires. Déposant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux. Jésus-Christ qui était gloire lui, dans le ciel là. Qui ça le fait venir sous la terre. Nous connaissons comment le fait. Nous connaissons comment la ville était pendant qu'elle était sous terre. Il était venu dans un seul but. Pour te racheter moi-même ensemble avec vous. Nous-mêmes qui étions vendus sur le marché du péché. Jésus-Christ vient lui acheter nous. Il vient acheter nous, qui c'est agorazo, lui retirer nous au marché. Donc nous pas pour vendre encore. Le mot exagorazo. Et là, il vient retirer nous au marché, donc nous pas pour vendre encore. Qui ça le fait? Il rend nous libres. Ça fait la parole que Dieu nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Li rend nous libres. Et yon nan bagay pou t'ap aide me comprendre. Bon Dieu aide me comprendre que la consécration, même si m'pa ko rive, la consécration c'est une réponse à la justification. C'est yon nan bagay pou t'ap aide me comprendre. La consécration c'est une réponse à la justification. Si m'ta vle expliquer brièvement samedi a, comment me faire dire que la consécration c'est une réponse à la justification? Il y a un monde qui consacre à Dieu, son monde qui rend tête li esclave de Dieu. Jésus-Christ finit racheter, qu'est-ce qu'il fait? Li rend nous libre. Est-ce que l'exemple là s'il vous plaît? Li rend nous qui ça? Li rend nous libre. Et par la consécration qui ça me dit? Me dit ce Jésus là qui m'a sauvé, qui m'a libéré. Certes, il m'a libéré. Même pas qu'à aller comme ça. C'est vrai le libérer. C'est vrai, le racheter, c'est vrai. Il retire les chaînes, je suis libre, je vais aller. Mais moi, je n'ai pas décidé d'aller. Je vais déposer la vie dans le pied. Est-ce que l'église a compris ça, m'a dit? Je vais déposer la vie dans le pied. Donc, c'est ça qui fait nous arriver à dire que la consécration, c'est une réponse à la justification. Christ justifie, il rachète, il rend moi libre. Mais en retour, qui ça me fait? Moi déposer la vie dans le pied. Moi consacrer.